Non mais non, j'ai une camomille aussi. J'annonce le programme, c'est camomille. Donc ce matin, c'est Grand Yunnan Impérial. Ouais, super. Et cet après-midi, c'est Rooibos Rouge. Oh, ah, oui. D'accord, ça vous va? Oui, je vais mettre là. Je vais mettre les micros. Tu veux commencer par ça, François? Ouais. Nourri de tout ce qu'on fait en dehors, à chaque fois qu'on se retourne, on a les oreilles qui sont comme rénovées en fait. Et dans l'autre sens aussi, moi, par rapport à moi-même, des critiques, par rapport à, oui, tiens, si je fais ça, pourquoi je tombe dans mon, entre guillemets, ma facilité d'aller dans ce sens-là, parce que ça va nous faire nous répéter aussi. Après, l'histoire, c'est d'essayer de toujours continuer à inventer des choses. Plus possible. Ouais. On commence en improvisant sur le moi, je joue le grid, quoi, donc c'est à l'oreille, complètement. Et quand on joue le A, on va vers le B. C'est-à-dire que quand tu fais la dernière phrase du A, moi je passe au B. Tu vois, j'ai une autre ligne de basse. Tu me laisses la faire deux ou trois fois, on va au B. Et on va à la coda. C'est-à-dire qu'en fait, le passage vraiment improvisé, c'est le début. Ok. Voilà. Et tu me donnes un signe pour commencer à... Ok. Ok. Ouais. Tu veux l'écouter ou on en fait tout de suite? On fait une. Vraiment à refaire. C'était, j'ai trouvé que c'était très bien. Super. Bon, moi, je suis pas super tight dans mes relations, mais je m'en fous. J'ai pris mon temps, je t'ai laissé. Ouais, c'est bien. On peut en refaire une autre, mais je pense. Non, non, on ne fait pas. Non, non, on avance, très bien. Ok. Ce que j'ai remarqué, la progression avec le duo sur les 15 années ou ça, si on écoute Marc-Cali par exemple, où c'est vraiment tout est dans les structures, et ensuite il y a Die Strong, il y avait des compositions un peu plus variées, et avec le troisième qu'on vient de faire en fait, la session, ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a plus de jazz. Il y a plus d'influence, il y a plus de blues, et aussi il y a plus d'espace. Ouais. C'est moins actif. Ouais. Donc on travaille de plus en plus dans un processus d'éliminer, mais de rajouter d'autres influences. Je pense que c'est notre expérience. Ouais. Et ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on n'a pas besoin de jouer au plus. On peut jouer beaucoup moins pour en dire autant, sinon plus.
Une des choses les plus surprenantes, c'est que des fois, je pense que c'était comme ça dès la première rencontre, cette habilité qu'on a de jouer en unisson, rythmique, et d'anticiper le début des phrases. Il y a une certaine kinétique qui est très rare.